supporters et supporters et fans de l'OL. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne l'OL pour cette nouvelle vidéo et pour ceux qui nous rejoignent. Bam! Ah oui, on va débriefer du match d'hier, 20e journée de Ligue 1. Nous nous déplaçons à Ajaccio. Qu'est-ce que j'ai concocté le menu du jour et 3 points? Tu veux les mouches? Arrêtez de m'emmerder. Réalisme clinique, c'est par là que l'on va commencer pour la première partie. Ensuite, toujours autant de fébrilité derrière. Et enfin, notre top et Flabané qui se cache ici. Allez, Shelby, va dans le jardin, va faire du vélo. Allez, dégage-le, tu m'emmerdes là. Fous-moi le camp, t'en veux une, dis donc. Transformer ton pif en nez rouge aussi. Allez les gars, on attaque tout de suite le débrief. Photo du stade du match d'hier. Je vous les mets là, là. Suivez mon doigt, arrêtez de m'emmerder. Vous aussi, dis donc, ça suffit. Je suis chez moi, je fais ce que je veux. Kezako les gars, c'est simple hier. 2 tirs cadrés, 2 buts. Tu prends le ferry et ça dégage sur le continent, bande de l'as. Le réalisme, il était clinique. Et moi, personnellement, je prends, faut pas cracher dessus. Ça compense les 126 que l'on a vu contre Strasbourg pour un pauvre penalty et une défaite. Mais le foot, c'est ainsi. Parfois, tu gagnes sans le mériter, comme hier, et une autre fois, tu perds de la même manière. Le foot est ainsi fait. Il faut capitaliser au vu de notre situation qui est extrêmement délicate, les gars, vous le savez. Et ce genre de match, voilà, qui sent la quenelle à plein pif, eh ben, faut savoir les gagner, et ça a été chose faite hier. Comme d'habitude, voilà, on y reviendra un peu plus tard, tout n'a pas été parfait. On a pris le bouillon, on a concédé énormément de situations, mais on repart avec une victoire et les 3 points. Qui, même sans la manière, va faire énormément de bien au moral. Les gones, je vois énormément de mauvais commentaires, des commentaires négatifs sur les réseaux vis-à-vis du contenu, une fois de plus. C'est négatif, sans arrêt. C'est une purge. Vous n'arrêtez pas de geindre sans arrêt, mais c'est pas fini. Mais vous vous attendiez à quoi? Regardez, je vous ai mis également une photo du classement en parallèle. On est 9e de Ligue 1. Le club régresse d'année en année. Pardon, je vais pas vous refaire le topo. On vend tous nos meilleurs joueurs, les seuls qui savent tenir un ballon dans les pieds. On a une direction aux abois. On arrive à un point de non-retour avec des joueurs dans la sauce mentalement, complètement rincés physiquement et qui collectivement n'arrivent à rien produire, quel que soit l'entraîneur. Depuis des années, c'est ainsi. On est malade. Et vous pensiez qu'hier, comme par miracle, comme par enchantement, on allait produire quelque chose de cohérent sur 90 minutes, alors qu'on se touche la nouille à tous les étages au sein de l'institution Olympique Lyonnais. On est devenu une équipe du milieu de tableau. C'est ainsi. On est à notre place. Il faut que ça rentre dans votre tête. On est une équipe du ventre mou. Donc, qu'est-ce que ça donne au niveau du jeu? Bah, une équipe du ventre mou, de temps en temps, elle sera capable de coup d'éclat, de réussir un bon match. Mais 3/4 du temps, ce sera d'une béchamel de merde. Donc arrêtez d'attendre monts et merveilles d'une équipe qui est en perdition depuis des années. Non, il faut vraiment maintenant arrêter l'exigence. C'est difficile à admettre, mais c'est comme ça. Il faut faire face à la réalité. On n'est plus un grand club, on n'a plus aucune certitude à tout point de vue. Donc aujourd'hui, on est obligé malheureusement de se contenter de ce que l'on voit. Oui, c'est triste et j'en suis le premier, mais c'est la réalité. Et vraiment, il faut avoir les yeux en face des trous. Faut pas être un taré de bigleux maintenant. Peut-être que dans quelques jours, quelques semaines, quelques mois, quelques années, j'en sais rien, le plus tôt possible, bien évidemment, on sera les plus heureux et moi le premier. C'est tout ce que je souhaite en tant qu'amoureux de l'Olympique Lyonnais. Mais en attendant de retrouver le goût de l'ambition et de la victoire, il faut rester lucide, les goals. Il faut rester soudés et unis derrière nos goals, même si c'est difficile. Mais dans un océan de merde, le torrent de crotte, on n'en veut plus. C'est comme ça. Parce que malgré tout, hier, on va analyser un peu plus là le contenu du match. On est capable de produire des séquences intéressantes dans le jeu lorsque l'équipe elle arrive à mettre le pied sur le ballon et créer du mouvement et des combinaisons tous ensemble. C'est simple, on va l'analyser dans la foulée. Nos deux seuls gadoches proviennent de combinaisons et de mouvements qui ont été vraiment collectivement aboutis. Il y a eu des petits espaces de l'utilisation de la profondeur. On fixe d'un côté, renversement du jeu de l'autre. On écarte au maximum sur toute la largeur du terrain les lignes. Bah c'est pas mal, on avance en bloc. Regardez le premier but, qu'est-ce que ça donne? On va l'analyser ensemble parce que c'est vraiment mettre en image tout ce que je suis en train de vous illustrer, tout simplement. On subit énormément depuis 20 bonnes minutes. Première incursion dans le camp ajaxien, mouvement d'école, voilà. On est au cœur du jeu où, comme d'habitude, la densité est au summum. T'as 5 joueurs adverses sur 5 mètres. Alex, il est en pivot, il décroche pour venir s'appuyer et remiser sur Coco Chanel. Le relayeur, pour l'instant, il est hors écran, vous le verrez sur la deuxième photo. Par qui, voilà, la construction, elle va passer souvent pour se mettre face au jeu. C'est lui, le joueur le plus technique du milieu de terrain. Il n'est pas attaqué. Tout de suite, il va chercher l'espace libre qui est à gauche avec la Tagliatelle.
qui est servi. Et là, qu'est-ce que l'on fait? On a Barcola dans un 4-3-3 avec un comportement délié qui arrête de, qui ne rentre pas tout le temps à l'intérieur systématiquement, comme certains. Eh ben, il écarte au maximum le jeu. Il n'est pas attaqué. Voilà ce que ça donne. On mange la crêpe. Il joue son rôle délié. L'espace libre, il est en rose. C'est exactement là où il va falloir aller fixer parce que Ajaccio est quand même bien en place. Vous voyez, c'est deux lignes de quatre. Mais en élargissant le jeu, tu vas libérer des espaces à condition qu'on se projette vers l'avant et qu'il y ait de la percussion. Eh ben, c'est exactement ce qui va se passer avec Barcola qui vient fixer en 1-1, qui provoque. Cacré qui vient proposer une solution courte à l'intérieur avec Chiclès qui suit. Alex passe dans son dos, appel croisé pour que lui il aille finir l'action. Une des décolles entre Barcola et Cacré dans le bon tempo sans ralentir jamais le jeu. Les défenseurs d'Ajaccio, ils sont tous aspirés au premier poteau, ils oublient le penant qui a suivi au second parce que vous avez vu, il est quand même parti de la ligne médiane hein, le goal. Et ben voilà, centre dans l'espace libre, bam, premier but, 0-1. C'est beau les goals, voilà, contre le cours du jeu certes, mais on écroule la buvette au panache. Sur l'action, t'as 6 Lyonnais qui touchent le cuir. Donc, niveau construction, c'est digne du Barça. Non, mais dis-donc, t'en veux une? Voilà, faut pas se moucher du pif. Mais Dieu bénisse, la vérité au-dessus, c'est le soleil. L'action, elle est belle. Le 2-0, ensuite, dans la foulée, idem pour le second but. Cette fois-ci, côté gauche, Alex, toujours très loin du but, mais au cœur de la mêlée, il arrive à orienter le jeu côté droit pour Chiclès. Au milieu de trois Ajacciens, vous voyez, il est entouré, mais il arrive à vraiment à faire l'ouverture qui change tout. C'est la passe-clé qui amène la verticalité. Parce que t'as un ailier qui reste écarté au maximum pour créer vraiment l'espace libre, dans lequel il va foncer comme un jeune chien fou tête baissée, les gars. 4 joueurs d'Ajaccio en retard, le bloc adverse il est coupé en deux, projection vers l'avant de tes deux relayeurs Coco Chanel et Cacré, qui accompagnent le général. Au moment de provoquer, t'as 3 Ajacciens pour 4 Lyonnais. Donc encore une fois, toute la défense, elle se fait aspirer au premier poteau. Vous avez vu la saucisse de Chiclès, centre au 8e poteau, il n'y a personne. Mais la Tagliatelle qui était tapis dans l'ombre sort de son trou, récupère et feinte le centre pour chercher le 1-2. C'est extrêmement intelligemment bien joué parce qu'il va recréer un décalage. Et vous voyez sur la photo, El Idrissi, c'est honteux. Tu te jettes, tu tournes le dos et tu ne regardes même plus le déplacement du Lyonnais. Mais qui c'est qui t'a appris ça, babam? On défend droit, debout dans ses bottes et toujours de face. Merde! Remise parfaite de Coco Chanel dans le pont tempo, sans ralentir la course du gone. Ajaccio se fait aspirer une nouvelle fois de l'autre côté et tout le monde en oublie le marquage dans son dos. C'est l'escalade de l'horreur. On fait couler un bronze, voilà, tellement on serre les fesses jusque là. Ça fait 0-2. Eh ben vraiment, ça nous fait plaisir. Le break il est fait et un peu plus, voilà, à l'abri dirons-nous. Il y a eu beaucoup moins, voilà, il y a eu quand même beaucoup de rythme, durant le match parce que la rencontre, beaucoup trop de déchets, trop brouillon par moment, le jeu était trop haché, une fois de plus, comme la viande, avec 40 fautes sifflées, vous avez vu les stats, bam, c'est honteux. Et là, voilà, l'arbitre, il a bégayé sévère, ça a dégainé à tout voir, c'était n'importe quoi. La troisième plus belle action côté OL, bien évidemment, ce sont nos supporters, dont je salue encore une fois le déplacement. Parce que la béchamel de merde, on y a droit tous les week-ends. Mais voilà, ils ont dû évidemment quitter le stade parce que le ferry, fallait pas le louper. Mais au niveau de tout ça, pour en revenir au jeu, deuxième partie, on sent quand même qu'offensivement, tu as du potentiel et que tu arrives à créer du danger avec des situations intéressantes, mais toujours sur un fil parce que l'on manque d'agressivité dans les contacts, on perd trop de duels. Il n'y a pas assez d'intensité et derrière, sur chaque incursion adverse, on se chie dessus, on finit le froc sur la tête, le falzar plein de merde, le slip, bam, tu l'enfiles. On n'est pas compact, le bloc se déséquilibre et sur les transitions adverses, eh ben c'est danger constamment. Regardez, j'ai pris deux situations tellement représentatives, on va analyser défensivement ce que ça donne. Première mi-temps, un quart d'heure de jeu, saucisse de Diomandé dans les pieds du gardien adverse. Alex, il va presser, c'est logique, c'est lui le premier défenseur de l'équipe qui enclenche le pressing collectif. Là, tu vois la quenelle. Tu la vois venir à des kilomètres, et bah ouvre grand tes yeux, regardez ce que ça donne. Le penant Cacré, ils sont tous les deux dans le camp d'Ajaccio, assez haut sur le terrain, et dans ton milieu à 3, du coup sur cette phase, forcément ils prennent le rôle de relayeur, bah c'est tout Coco Chanel qui reste en point de basse, en sentinelle. Sauf que quand on voit la photo qui suit, pourquoi tes deux relayeurs sont aussi hauts sur un dégagement du gardien? Ça sert à rien de trop monter, faut resserrer de façon à reformer ton triangle au cœur du jeu. Sur le second ballon, il faut y être parce que sur une chiche du gardien adverse, il n'y a pas de danger. 3 Ajacciens autour de Coco Chanel, donc t'es charrette. Il y a trop d'espace entre nos 3 gones, les lignes elles sont étirées. Et ben l'adverse, voilà, tu ne maîtrises plus. C'est du 5 contre 5, regardez la photo. On se retrouve coupé en deux sur le second ballon. Coco Chanel, il va pas au duel parce qu'il sait plus où donner de la tête. Mais surtout, je pense qu'il a encore un frein à aller au contact, il a peur de se péter. Remise poitrine de Moussiti pour Belaïli. Il fume, voilà, en fumant sa tige, tranquillou bilou, le chat, il n'est pas attaqué. Comment tu peux avoir autant de liberté en plein cœur du jeu avec projection vers l'avant de 2 de tes 3 milieux de terrain? Mais c'est pas possible. Aucune intelligence dans le repli, dans le placement.
Et dans le pressing, du coup, s'ensuit une nouvelle béchamel de merde. Belaïli pour Marchetti qui, pas attaqué, il rentre, il perfore plein axe, t'as aucun gun à 5 mètres. Lovren, c'est le seul qui peut sortir dans l'espace libre pour stopper la progression adverse parce qu'il est au marquage. Il va courir côté gauche. Bon, j'ai pas compris, j'ai pas capté. Il laisse l'axe, fin de frappe, Marchetti continue à avancer. Au panache, c'est Signali. Mais qui sort? Bah, Kenelly. Une fin de frappe, il tombe dans le panneau parce qu'il a anticipé la couverture. Résultat, Paradonto, 15 mètres sans être attaqué en plein cœur de la défense. Mais maman, les gars, pas possible. C'est trop facile de se faire dessouder ainsi. Et en plus, c'est pas normal, on se met en danger tout seul parce que sur toutes les phases offensives d'Ajaccio et donc surtout sur nos replis, Ajaccio, heureusement que dans le dernier geste, a été nullissime et qu'on a eu un grand Anto parce que sinon tu repars une main devant, l'autre derrière. Trop de situations concédées face à la plus mauvaise attaque de Ligue 1. Baba, mais faut se réveiller, les gars. Je suis excédé! Oui, messieurs. Concéder autant d'occasions, ce n'est pas normal. Mais regardez-moi cette deuxième action pour montrer nos lacunes. Dans une zone clé, on a 5 gones aux avant-postes, dont Tolisso qui est arrière-gauche, tu sais pas ce qu'il fait là. Le Penant Cacré, 2 mètres l'un de l'autre, il cherche à jouer dans des petits espaces. T'as une ligne de 4 côté ajaxien, plus un joueur en couverture au cas où. Je vous le donne dans le mille, techniquement c'est pas juste, donc tu pues la merde. Derrière, physiquement, tu te fais voler dans les plumes, secouer le cocotier, tu perds la balle. C'est là qu'il te manque un mec puissant au milieu, technique, capable de tenir un ballon et de s'en sortir, quelle que soit la situation chaude et quel que soit le pressing adverse. Le Penant écueille les champignons, les 4 d'Ajaccio se projettent vers l'avant, tandis que ton triangle du milieu, il explose en plein vol. On est mangé physiquement. Et qui couvre la défense si tes 3 milieux de terrain ne sont plus en place? Nos 2 latéraux qui sont montés en même temps, ça aussi, c'est inadmissible. Koumendi, il est trop loin, c'est interdit au haut niveau. Tout l'espace libre pour attaquer, et ben dans son dos, c'est impossible à rattraper. Joint de culasse, c'est le déséquilibre total. Diomandé qui doit couvrir dans son dos, c'est là que voilà le ballon va arriver. Et ben non, du coup, il ne le fait pas parce que faut aussi qu'il couvre l'axe. Le placement, il ne permet pas d'intervenir. Tu pries le ciel pour remercier une nouvelle fois Anto de faire la parade. Et ben c'est ce qu'il arrive à faire. Parce que derrière, sur le second ballon, s'il revient dans l'axe, vous voyez bien qu'au milieu, il n'y a personne. Il n'y a aucun joueur de Lyonnais dans les environs. Donc bon, on prend les 3 points, ce fut très dur une nouvelle fois, mais faut pas se beurrer la face. On a eu un réalisme froid qu'on n'aura certainement pas à tous les matchs. On a aussi bien Anthony Lopez qui a fait un énorme match combiné à la maladresse dans le dernier geste d'Ajaccio. On est sauvé sur une tête sur le poteau de Belaïli. Ah, on n'a pas brillé dans le jeu, mais après 3 matchs sans victoire, faut le rappeler, on va pas faire les coquettes en ruant moins de merde dans les brancards. Ce match sûrement qu'on aurait certainement mérité de ne pas le gagner, mais on s'est accroché, ça a tourné en notre faveur. Continuons dès mercredi avec la réception de Brest pour confirmer voilà cette victoire à l'extérieur chez nous à domicile et maintenir une dynamique et redonner un semblant de sourire en espérant que Lovren et Barcola qui se sont pétés hier ce soit pas trop grave. Je ferai abstraction de tout ce qui s'est passé sur les bancs de touche, voilà, il y a des gones en tribune, je trouve ça parfaitement et ce comportement honteux. Tout pour la castagne, moi j'adore, j'aime pas, ça chicore oui mais pas comme ça, il y a des images, c'est déplorable, je préfère vous le dire, et parce que voilà, le public qui en rajoute une couche, hormis passer pour des bananes et des trompettes, ça n'apporte rien au football. Allez, pour la dernière partie, au niveau, je vous mets les notes du match, bien entendu, en parallèle, au niveau des tops, Lopez, 7, homme du match, on peut encore une fois lui dire merci, parce que si on n'a pas sombré dans le caniveau, à dégoubiller sur nos souliers comme des pauvres merdes, c'est encore une fois grâce à lui, dans la foudre corse qui s'est abattue sur nous, 5 arrêts contre 0 pour son homologue, ne l'oubliez pas. On aurait pu passer pour des pecnos, mais il nous a sauvés. Marchetti, Belaïli, El Idrissi, tous se sont heurtés à notre portier, donc merci pour les services rendus. Le Penant, 6,5, hormis son but qui récompense quand même un match assez satisfaisant, c'est celui des 3 au milieu de terrain, qui a été le plus convaincant par ses courses et ses orientations, son abattage. Il a tenté de mettre le pied sur le ballon du haut de ses 50 kilos tout mouillé, même s'il a perdu des ballons assez dangereux, par un manque de lucidité et de technique, mais quand il est là, ça offre quand même beaucoup plus de verticalité que la merguez. Merde! Marcola, 6! On t'a vu disparaître en deuxième mi-temps, Gon. Attention, ça n'a pas échappé à ton tournier, oui. On t'a vu rater également l'occasion du break en première mi-temps sur un plat du pied très mal maîtrisé. Mais il a fait mal par sa qualité de provocation en un contre un le long de la touche. Il a élargi le jeu au maximum, c'est très bien. Passeur sur le premier but, mais surtout, il y a une belle action collective, mais il a fait énormément d'efforts pour venir aider la Tagliatelle. Donc, chapeau, Gon. Au niveau des flammes, je vais être assez généreux. BAM! Ah oui, le carton jaune Chiclès. Ah, hier, tu puais la merde. On va pas se raconter de moustère. Est-ce que c'est le PSG qui te monte à la tête, Gon? Qu'est-ce qui s'est passé? Ton melon, il s'est transformé en pastèque, on comprend plus rien. Tu restais sur des prestations convaincantes, mais alors là, t'étais en sabot, en mule, en sabbat et en babouche, on comprend plus rien. En ailier, c'est une catastrophe, toujours à contre-temps hier. Trop personnel, aucune différence créée et hormis sur le deuxième but. T'es retombé dans tes travers en réclamant sans cesse des fautes, en levant les bras au ciel avec une attitude tellement nonchalante que c'est redevenu agaçant. Attention, Diomandé 4, BAM! Oh, Signali, lui qui va pas là,
C'est Kiki qui était content hier, ben c'est le Sinali. Mais j'ai fini excédé, tonton Nia. Oui, n'en peut plus. Tes relances catastrophiques, c'est saucisse sur saucisse. Dans les duels, tu en as perdu énormément malgré un physique de, on dirait un videur de boîte de nuit. Placement hasardeux, couverture approximative. Non mais tu veux pas, je te joue de la flûte, Sinali, mais babam, c'est pas possible. Tu ne respires pas la sérénité, quand tu perds trop de ballons, faut vraiment bosser. Parce que déjà qu'on souffre derrière, mais alors si tu ne mets pas du tien, on est vraiment dans la mouise. Et enfin, la tagliatelle! Ah, bam! Ah, je voulais mettre Cacré, mais attention, parce que c'était le troisième flop pour moi, mais je sors de la biscotte, avertissement à la tagliatelle, parce que depuis ton retour de la Coupe du Monde, t'es à l'image de l'équipe, t'es devenu nul, nul et renul, ça fait nul au cube. Alors oui, tu regrettes d'être venu, maintenant on le sait, c'est normal, mais toi, tu es un guerrier, tu ne lâches rien, tu as du mal à t'y remettre, déjà à Nantes, c'était compliqué, dans ton couloir, mais hier, ça l'était une nouvelle fois. Pas assez de maîtrise dans l'ensemble, je trouve que voilà, Barcola, il est quand même souvent venu t'aider, t'épauler, donc bon, mais dans les duels, idem, tu t'es fait bouger comme rarement, mais qu'est-ce qui s'est passé? D'habitude, c'est toi qui vas à la Sikiche, mais là, c'était pas le cas du tout. Les relances aussi un peu approximatives, attention, mais tu as quand même été passeur, décisive, le coach ne l'oublie pas. Attention, petit avertissement, ça fait du bien. Petite cartouche, c'est pour moi. Allez les gars, c'est tout pour aujourd'hui. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Encore un grand merci à toutes et à tous d'être de plus en plus nombreux. Ça me fait vraiment extrêmement plaisir. N'oubliez pas, l'Olympique Lyonnais est et restera une formidable raison d'être heureux. Bon match à Brest pour ceux qui vont se déplacer. On se retrouve pour le débrief jeudi. D'ici là, portez-vous bien. Belle journée, vous m'emmerdez. Barrez-vous! J'en peux plus. Attention, c'est à partir.